Bonjour à tous, c'est Chris. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, un peu la manière d'un vlog, mais un vlog de noyade. Donc, tout ceci est mon espace ici, c'est je teste les téléphones de ce côté-là. Ici, c'est la rédaction des blogs et montage vidéo. Bref, c'est un nouvel espace de travail que j'ai voulu réaliser à pouvoir travailler mieux, des téléphones en cours de test ou à tester, des gadgets made in China, des choses encore à tester, des micros, bref, tout un bazar. Mais ici, un téléphone. Et ce téléphone, c'est le Nomu S20 que vous avez vu en test. Et ce Nomu S20, je tenais à effectuer un test dessus. Le test à la manière de, et ce test à la manière de, c'est à la manière de la marque et de tous les fabricants chinois actuellement qui ont des téléphones réputés normalement pour être super résistants. Donc vous le voyez, ce téléphone, il est en marche. D'ailleurs, des applications ont été mises à jour. Et vous allez le voir, cette façon ou à la manière de, c'est j'ai décidé de le noyer dans l'eau et le congeler, et on va vérifier, on va dire 36 heures, 48 heures après, si la batterie a tenu par grand froid, et si le téléphone fonctionne toujours après avoir été congelé. Alors, vous me suivez, et puis, bien écoutez, bonne chance à lui, au Nomu S20 donc. Alors, on va se promener avec lui. Tout ceci pour dire que ce téléphone, normalement, est réputé pour être super costaud. Eh bien, quoi de mieux que de le tester dans un congélateur? On y va et monsieur va aller ici, là-dedans. Voilà. Alors, on le met de côté. On se met ici et puis, bien écoutez, voilà, on va remplir tranquillement d'eau. Je veux juste prouver que un téléphone de ce type, effectivement, peut à la fois vivre sous l'eau, il n'y a pas de problème, mais qu'il peut aussi être congelé puisqu'il est annoncé survivre à des grands froids. Et donc je me dis, mais peut-être que les marques mentent. Alors est-ce que les marques mentent? Donc c'est juste prouver que, pas faire de bend test ou de crachage d'écran monstrueux, ça sert à rien. Voilà, donc j'ai fermé plus que correctement cette boîte magique. J'ouvre le congélateur. On va le faire ensemble. Et je vais me choisir une partie adéquate, la plus haute, pour pouvoir mettre avec les glaçons ici, la boîte qui se trouve ici, tout simplement. Allez, bonne chance au Nomu S20. On va essayer de se mettre bien à plat. Voilà. Il est bien dedans avec de la viande, des glaçons. Eh bien écoutez, il est parmi la nourriture. Et donc, normalement, tout devrait bien se passer pour lui. Allez, on lui dit bonne chance. Il est donc 16h14. Et nous sommes le mercredi 21 décembre 2016. Et je l'ouvrirai donc vendredi 23
décembre. Et bien sûr, je filmerai tout ça. Allez, au revoir. Le Nomu S20, est-ce qu'on le voit? Vous le voyez un peu dedans? Je ne sais pas. On le devine. Bref, allez. Hop, on ferme la porte. Rendez-vous dans 48 heures. Bonjour à tous, c'est Chris. Bienvenue. La vidéo suite de la mise au congélateur du Nomu S20. Et on va vérifier ensemble ce que ça donne après une congélation à moins 25, sachant que ce téléphone est donné pour un fonctionnement, on va dire, correct, pour une température comprise entre plus 40 et moins 60. Alors, on va vérifier ensemble ce que ça donne. Et cette vidéo sera la vidéo du réveillon de Noël. Donc, je vous souhaite d'abord de bonnes fêtes à tous. Pour l'instant, bah, écoutez, vous me suivez et puis bah, je vais vous me regarder. Et puis en même temps, bah, je pense que vous pouvez regarder autour. Je passe vite fait dans ma maison. Bref, ça fait quasiment un room tour. Voilà, on est devant le congélateur. Là, ici, la porte du bas qui n'attend qu'une chose, c'est de s'ouvrir pour vous laisser découvrir le Nomu S20 après cette forte congélation. Donc je le rappelle, ce n'est pas une vidéo pour faire des clics, pour faire des vues. C'est une vidéo pour soit faire mentir les tests existants à la façon 2 de tous les fabricants chinois, en l'occurrence, qui adorent torturer leur téléphone. Moi, j'ai décidé un peu de faire comme eux, mais par la même occasion de vérifier si ils vous mentent ou pas. Voilà, c'est juste une vidéo vérité. Moi, j'ai décidé une chose. La chose que j'ai décidé, c'est de ne pas casser la glace, contrairement à eux. Moi, ce que j'ai décidé, c'est ça. Vous l'avez vu? Voilà, l'eau bout. Et je vais donc directement verser de l'eau bouillante sur la glace et on vérifiera ensuite ensemble, une fois la glace fondue, le chaud-froid, si ça tue réellement un téléphone ou pas, ou en tout cas un téléphone IP68 qui a été congelé et qui aura subi donc une forte chaleur. Voilà la porte du fameux congélateur dans lequel se trouve la boîte dans laquelle se trouve le Nomu S20. Alors, ouverture du congélateur, ouverture du tiroir ici, la boîte, vous la reconnaissez, c'est celle-ci. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, c'est bien dur, c'est bien congelé. Et ça fait très mal aux doigts. Alors, ouverture de la trappe, du couvercle. Bref, ouverture du couvercle, couvercle dans l'évier. Ok, donc bah écoutez, tout ceci semble bien. Il est bien dedans, voilà, il est là, là-dessous, bien congelé. J'espère juste qu'il aura bien résisté. Je crois qu'on va lui souhaiter bonne chance au Nomu S20. On va se mettre ici dans l'évier. Et on va attaquer par l'eau bouillante. Vous voyez l'eau, ça fume, elle est bien bouillante. Allez, on y va. Alors certains diront que c'est une vidéo inutile. Personnellement, je ne la trouve pas inutile parce que je veux juste que, bah, quelque part, on ne prenne pas les clients ou futurs clients pour des idiots, à faire croire que des téléphones résistent à tout. Je vais essayer de ne pas m'ébouillanter les doigts. Voilà, ça dégèle tout doucement. Je crois qu'il va falloir que je refasse bouillir de l'eau. On va laisser fondre un peu la glace. On le voit de plus en plus.
Regardez bien, on le voit, on le voit. Il apparaît, il est bien là. Le Nomu S20, il n'a pas disparu. Voilà, la glace bouge maintenant à l'intérieur, c'est bon. Alors, on continue, on va verser les derniers hectolitres. Vous le voyez, la glace fond bien. Voilà, on aura déjà fait dégeler une bonne partie de la glace. Et ce que je vous propose, bah, écoutez, voilà, hop. Et donc, on va finir la glace au couteau. Le voilà, il est là, il apparaît. Vous le voyez bien? Alors, le voilà, il est là. Alors, d'après vous, est-ce qu'il fonctionne? Que pensez-vous du téléphone et de sa résistance au froid, chaud, congélation? Est-ce qu'il fonctionne? Alors déjà, il ne s'allume plus. Bon. Est-ce peut-être parce que la batterie serait complètement vide? On va forcer quand même. Il s'allume. Alors, il se serait éteint tout seul. C'est étonnant. Mais en l'occurrence, en tout cas, pour le moment, il s'allume. Vous le voyez. On va voir s'il démarre. Je pense pas que la batterie soit vide. Il semble s'allumer correctement. Je pense que la batterie est un peu faible. La congélation peut-être a mis la batterie à plat. On va le laisser s'allumer correctement. Je retire tout ça. Eh bien, écoutez. Voilà. On va le rincer. Alors je vous le rappelle, hein, le tactile et l'eau, c'est pas terrible. Et donc vous le voyez, le Nomu S20 est le premier des smartphones IP68 super résistant à tous les chocs à avoir passé mon test vérité. Et donc Nomu, après leur test, ne vous a pas pris pour des idiots. Et leur téléphone résiste au froid extrême, au dégel par eau bouillante, et donc a bien résisté. Il est totalement vraiment IP68, parce que quoi de mieux que de rester dans de l'eau pendant plusieurs minutes avant congélation, d'avoir résisté donc au gel, au dégel. Bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait rire, peut-être pas. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé ça sympa, à partager. Je mettrai Nomu en commentaire très certainement pour leur montrer que effectivement, chapeau, ce n'est pas un mensonge, il a bien résisté à la congélation, au dégel. Bref, voilà, c'est un téléphone qui a été réalisé par Nomu sans compromis. Voilà, moi je vous dis bye bye, à ciao, bonne fête, passez un beau Noël et je vous dis à peut-être avant le réveillon du jour de l'an. Bye bye, ciao.